Bonsoir à tous, c'est Guillaume Aloisia. Alors, j'ai changé de club. Je suis au Betis Séville. Le club Anvers. Et on va affronter le meilleur club en titre. Le meilleur club avec l'Athletic Club de Bilbao. C'est Girona cette fois. Alors, c'est quoi? Deux riders, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Malermo, Paolo Maldini, Bremer, Alejandro Balme, Camavinga, Eduardo Camavinga, French X, Falluli, Rafael Leao, Erling Haaland et Ali. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est pas que je l'ai laissé. Michel Platini sur le banc de touche. Et voilà. Et chez nous, je vous dirai leur club parce que c'est l'Estadio, je sais pas quoi. Chez nous, en 4 minutes, Peter Schmeichel, Hiroki Sakai, Sead Kolasinac, Antonio Silva, Reece James, Milly, Jack Wilshere, Güler, Vinicius Junior, Zlatan Ibrahimovic et trop bien. Et on va y aller. Et on y va. Et putain, on va les enculer. Maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses, c'est l'heure de vérité. Décollage dans quelques secondes. Et on va les enculer parce que je vois OM, Nice de chez moi. Putain, un partout. On doit enculer Nice. Donc là, j'ai enculé mon ancien club Girona. Et on va y aller direct. Bim bim, mode champion, 4 minutes, bim bim. Pour ce match, nous sommes à l'Estadio de Montilivi. Ici, Benjamin Da Silva est avec moi. L'unique, l'imprévisible, celui qui appuie sur les boutons, Omar Da Fonseca. Au programme, donc, un match de championnat. Et on le devine déjà dans l'atmosphère générale, c'est un match magnifique qui s'annonce. Chaque match à vos côtés, c'est une nouvelle histoire à raconter, une nouvelle aventure, des nouvelles émotions. Surtout devant votre talent de commentateur. Ouais, l'intervention vitale. Le Betis, une équipe qui a remporté sa dernière rencontre face à Valladolid. Que faut-il espérer pour ce match aujourd'hui? Oui, c'est une victoire à domicile remportée de justesse 1-0. Cette performance, ça sera le facilitateur d'une autre victoire aujourd'hui, j'en suis sûr. Voilà la compo officielle pour cette équipe. Et voilà la compo officielle de cette équipe. Une parenthèse pour parler d'un joueur qui sait maintenant tout faire, un grand buteur surtout, c'est Erling Haaland. Sa caractéristique, on la connaît, c'est sa lucidité, sa précision, son aptitude à être dans le bon endroit avec le geste juste. Ses qualités de finition te donnent une grande sérénité quand tu rentres dans la surface. Tire puissant, mais ça frôle. Tu vois, lag, il y a des bugs. Je te le dis dans le pro, il y a des bugs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas demander à mes partenaires de ligne parce que là, il y a une merde. James. Kessler. Maitland. Ah, il va essayer de surprendre le gardien. Et c'est finalement sans aucun souci pour le gardien. Kessler. James. Vinicius.
ballon pour Reece James. Très bonne intervention dans la surface. Et ça joue sur Vinicius. Le petit ballon placé pour conclure, c'était délicieux. Malheureusement, il a manqué un peu de précision. Le plus énervé de tous, c'est le coach, sans aucun doute. Camavinga. Balde, une attaque et le danger se rapproche. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Camavinga reçoit le ballon. Oh oui, la frappe. C'est repoussé par le gardien, oui. Ce corner peut leur faire beaucoup du bien. Le public ne s'y est pas trompé et s'est fait entendre. Ça va vers le point de pénalty. Voilà qui est bien défendu. C'est bien joué. Pour Rafael Leao. Vinicius. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Vinicius avec le ballon. Et voilà, on ira. Ah ben, mais il y a des lags. J'espère que vous le voyez en lag. En lag. J'espère que vous le voyez en live. Pour le moment, on attaque très décevant. C'est comme dans Call of Pro. Je n'y arrive pas. Et c'est des micros. Ceux qui savent jouer à FIFA, ils diront. Alors, ceux qui ne savent pas jouer à FIFA, ils diront c'est rien. Mais ceux qui savent jouer à FIFA, mais ces lags me pourrissent la vie. Parce que c'est des C'est en mode ça se joue à rien, mais en mode voilà, en mode ça va être chaud quoi. Le début de la seconde période avec ce match particulièrement équilibré, les deux équipes font jeu égal, personne ne lâche rien et c'est passionnant. Et bien sûr que l'arbitre signale la faute, le coup franc à suivre. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Avec Ibrahim. C'est une bonne séquence d'attaque placée. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Et vous le voyez au programme. Évidemment, ça sera ce match à ne pas manquer et à suivre en notre compagnie. Gérone affrontera Almeria. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Et le Betis qui peut avancer dans le couloir. Ah, il repique balle au pied vers l'intérieur. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Ouais, la défense invite au pressing, c'est leur stratégie. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Camavinga. Maitland. Et un
petit rappel, il y aura de la Liga espagnole au programme et à vivre évidemment ensemble. Le Betis affrontera Osasuna. Deux équipes très intéressantes pour tous les amateurs de football. Ça nous promet un match vivant, effervescent même. Et le pressing pour intercepter ce ballon. Pour Rafael Leao. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Et voilà, c'est le moment. Voilà, il y a des bugs. Ceux qui connaissent FIFA verront les bugs. Je sais pas si on les voit sur YouTube, mais c'est chaud. Le ballon pour Haaland. Oh, la frappe. Attention, il y a danger là. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Varane. À la récupération haute, bon pressing. Bonne progression dans le camp adverse. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. Zéro partout, mais on a du mal. Hein. Allez, Galand, et c'est Michel Platini qui rentre. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Moment clé dans ce match. Vu le chrono, le temps passe. Un but maintenant et c'est la victoire assurée. Attention pour Menos, encore peut-être. Et le ballon qui est bien écarté. Avec Ibrahim. Pas mal du tout cette passe. Ça joue. Et au final, ça ne donne rien. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Taren. Vinicius reçoit le ballon. Et on lève la tête. Là, peut-être un centre. Ça y est, c'est la fin. Voilà, on n'arrive pas. Et regardez les bugs. J'espère que vous les voyez en live. Mais c'est horrible. Mais j'arrive pas. Il y a des lags. Et je ne comprends pas. C'est quoi cette mise à jour de merde à FIFA? Je ne comprends pas. Et j'espère que vous voyez ce que moi j'ai vu. J'arrive pas. Là, j'arrive pas. 0-0, c'est très bien. Contre mon ancien club, mais merde, on doit gagner quoi. 0-0, voilà, ça fait longtemps, j'ai plus marqué 0 but dans un match important. Voilà, ça fait longtemps, 0-0, ben c'est cool, hein, j'ai pas pris de but. Ah, c'est super, j'ai pas pris de but. Ah, ben j'ai pas mis un non plus. Hop, oh là. Allez, bonne soirée.